Salut Bubble Fan. Coucou les Bubble Fans. Hello Athéna, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre écran aujourd'hui. Bien, vous avez aimé la précédente vidéo de qui connaît le mieux Calice? Eh bien là, c'est la vidéo d'Athéna. Qui connaît le mieux Athéna entre sa grande sœur et son papa chéri adoré? Non. Voilà, en fait c'est simple. Athéna va nous poser des questions, il y en a 15, hein, je crois que tu as préparé. Oui. On ne connaît pas les questions, on ne connaît peut-être pas les réponses, je ne sais pas, c'est le but de cette vidéo. Et sur nos ardoises, bien, regardez ça, qui connaît le mieux Athéna? Sur nos ardoises, on va écrire les réponses qu'on pense être les bonnes. Et si les réponses sont bonnes, on marquera un point, tout simplement. Attention, c'est parti pour la première question. Quelles sont mes 4 couleurs préférées? 4? 4? Normalement, c'est la couleur. Ensemble. 4 couleurs ensemble. Oh là là. Ça fait difficile. Et si on en a 2, on marque un point quand même, hein, parce que... Bah c'est lui qui en met le plus. Attention. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. 3, 2, 1. Alors moi j'ai mis rose, doré, jaune et argenté. Moi j'ai mis doré, jaune, bronze et argenté. Ah, pas mal, pas mal aussi. Allez, oui, et bon. Le plus proche, c'est papa, car c'était le... jaune, le rose, le violet et le bleu. Bah, le doré. Ah, t'as plus le doré? Le couleur. Bah, oh. J'ai dit ensemble. Parce que les 4 couleurs ensemble, elles sont trop belles. Ouais, mais oh, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est moi qui marque le point, comme a dit Athéna. Yes! Un point pour Papounet! C'est vrai qu'elle est souvent. Mais le bronze, c'est pas une couleur. C'est un métal. Oui, bah. Ah, bah oui. Les métals, ils ont une couleur, oui. Hein. Sinon, j'aurais mis argent, j'ai mis argenté. Oui, bah est-ce qu'on peut dire couleur bronzée? Oui, on peut. Couleur bronzée. Oui, mais c'est plus du tout la même chose. Attention, Athéna, je te marque un point pour moi. Yes. Deuxième question. Quel est mon animal préféré? Ton animal préféré? L'animal préféré d'Athéna, c'est le pou. C'est pou. Mon animal préféré, c'est pou. En plus, ça met que ça mon coude. C'est le genou du bras, donc tout ce qui est genou, pou, caillou, chou, hibou, prennent un X au pluriel. Ah oui, j'ai oublié. Alors, où Athéna? Donc, l'animal préféré d'Athéna? Ah, le pou du dessin. Le pou du jeu, quoi. Attention. Tu m'as fait un chapeau. 2, 1. Un crocodile. J'ai mis le crocodile. Pourquoi un crocodile? T'as mis le chat. Mais non, c'est pou. Non, le chat, là. Il est beau, pou. J'ai mis le crocodile, mais à mon avis, c'est pas ça. Hein. Pourquoi t'as mis le crocodile? Je savais pas quoi mettre. J'hésitais avec hérisson, mais bon. Et la bonne réponse est le lapin. Ah, bah oui, forcément, flocon. C'est l'idée d'Athéna Flocon dans notre roman La quête des pierres de Nautiléa. Eh bien, Flocon, en plus, voilà, c'est le prénom qu'on a donné à être lapin. Le lapin d'Athéna, aujourd'hui, pensez. Question numéro 3, Athéna. Comment s'appelle mes meilleures copines? Ta meilleure copine? Mes meilleures copines. Avec combien? Toi. Quoi? Oh là là. Elles sont pas mal difficiles, mes questions, je sais. On fera un gros bisou à ses copines si elles regardent cette vidéo, bien sûr. J'en ai que 2. C'est très. Pas une bonne idée parce que t'es allé chez une copine tout à l'heure, hein. Oui, mais il en faut 3, pas qu'une. Ah, 3. Donc celui qui en a le plus, Calice. Attention, alors, bien sûr, hein, Athéna est honnête, hein, elle ne change pas en fonction de nos réponses. Oh 3, bah non, bah, ça 2, reste mes meilleurs copains. 1. Lily Harmony, machin, je ne sais plus. Mais c'est pareil, j'ai hésité. Donc il y a Harmony, il y a Lily et j'ai mis Jade. Mais non, c'est ma copine, ça. C'est ma copine. Quoi? C'est sa copine. Ah ouais, mais les copines de ta soeur, c'est ses copines. Et ça se ressemble, hein, ça se ressemble. Ah, ça se ressemble. Jeanne. Oui, Jeanne. Ah, mais du coup, il y a égalité ou... Non, mais c'est lui le plus près du but. Ouais, mais Jade et Jeanne, non, c'est vrai, c'est pas pareil. C'est pas pareil, bah non. Ah bah non, c'est pas pareil. On peut dire que Jade et Georges, c'est pareil à ce moment-là. Non, Jeanne, c'est Jeanne. Et Jade, c'est Jade. Non, elle marque égalité partout. Point par... Oui, elle a quand même noté 2 sur 3. Bah, mais un point aussi. En 2. Allez, un point pour Calice et un point pour moi. Ça fait 2 à 1. Alors, question numéro 4. Tintin. Quelle est ma BD du moment? Ta BD du moment, c'est facile ça. Ah bah oui. Ah j'hésite. Non, si, je sais. Et vous le savez tous les deux.
Oui, il est trop beau ton dessin, papa. C'est pas un dessin. C'est vrai que j'ai fait des dessins dans la présentation vidéo, Marc. Attention. 3. Attends, j'ai oublié ça. Il est trop drôle. Si tu me fais gagner, je te donnerai plein de bonbons. Je suis en train de corrompre, on va t'aider un petit peu. Bah alors, attention. Quoi ? Elle me donnera la tablette. 3, 2, okay, pour 1. Mienne. Studio Danse, et moi aussi Studio Danse. Et moi aussi Studio Danse. Aux éditions Bambou, voilà. Qu'on salue. Ah, c'est ça le dessin. Ça fait donc 3 points pour moi et 2 points pour Calice. Alors, Athéna, la cinquième question. Sur qui je préfère aller le matin ? D'accord ? Sur qui je préfère aller le matin ? Ah ! Sur qui tu préfères aller le matin ? Oui. Sur quoi ? Sur qui, sur quoi ? C'est quoi cette question piège ? Oh, la question ! Alors, t'es prête, Calice ? Je sens que tu vas me porter. Mais c'est ça. 3. Moi aussi. 2, 1. La trottinette ou papa. Moi j'ai mis sur le grand nounours XXL que vous avez déjà vu plein de fois en vidéo. Et bien toi c'était la bonne réponse et toi c'était la sérieux, c'est ça réponse. C'est vraiment ça? Parce que c'est vrai qu'il y a souvent le matin, je ne sais pas, on va à l'école le matin. T'as pas le temps mais... Non mais quand c'est le week-end, genre je prends la tablette et je me mets, il fallait dire. Ah bah oui, parce mais que non, moi j'ai rien compris. Du coup je pensais au week-end moi. Ah bah moi je pensais à la semaine. Ouais mais la semaine elle va à l'école en trottinette. Déjeuner, de s'habiller, d'aller à l'école comme tout le monde. En trottinette. Comme tous les enfants qui n'ont pas. Elle va à l'école en trottinette. Oui mais bon c'est pas ça qu'elle pensait. Ah bah moi c'est la yes. Yeah, je vais encore gagner. Quelle est ma saison préférée? Ta saison préférée? Ah bah oui. Ah bah je le dis en classe quand c'est en anglais. Ouais mais j'étais pas là. J'avais mon absence. Oui. Personne n'est là. Alors là j'hésite entre deux. Et il y a deux choses. Il y a deux choses pourquoi je préfère. Oui, mais il n'y a pas deux saisons. Non, il y a qu'une saison. Il y a trois choses que j'aime bien dans ce mot. Ah, j'hésite. J'hésite. Bon, allez. On a une chance sur quatre. 3, 2, 1. L'été pour moi. Le printemps. Le printemps. Ah oui, c'est vrai, c'est l'anniversaire d'Athéna au printemps. Et pourquoi tu préfères le printemps ? Eh ben parce que le printemps, il y a des belles fleurs qui poussent. C'est vrai. Ah bah t'es gagné. Et en plus c'est mon anniversaire. Ah, et regarde, c'est vrai, le 3 mai, c'est l'anniversaire d'Athéna. Et je sais pas. Et j'aime pas l'été parce qu'il fait trop chaud. Ouais, mais t'aimes bien l'hiver. Et il y a des moustiques. L'hiver il fait trop froid. Oui, mais il n'y a pas de moustiques. Ouais, c'est un avantage. C'est vrai que finalement l'été t'aimes pas trop. Mais l'hiver t'aimes bien par contre aussi. Oui, moi j'aime bien la pistache. Moi je préfère le printemps. Question numéro 7. Donc c'est bien, ça vous fait une FAQ comme ça pour savoir un petit peu bien ce que qu'aime Athéna. Quelle est ma vidéo préférée? Ta vidéo préférée? C'est quoi? Quelle est ma vidéo préférée? Sur YouTube? Ouais. Une vidéo? Oui. Oh, mais c'est du bubble tea ou tout confondu? Studio bubble tea. Ah, studio bubble tea, d'accord. Est-ce que c'était pour ton ami? Ah oui, je me souviens, c'était une question aussi de Calice la dernière fois, mais je pense pas que ce soit la même. Ah, la vidéo préférée d'Athéna. Ça va prendre du temps. En temps, on en a pas fait beaucoup, hein. On a dû en faire quoi, 1900 des vidéos? À peu près, presque 2000. Ah, presque 2000, on a une chance sur 2000. On va faire la plouf, hein. Plouf, plouf, plouf. Plouf, plouf, ça sera toi qui sera. Je sais pas. Je sais pas. Elle est très dure cette question. Tu m'étonnes. Il est long le titre, hein. Ah, tu t'es souvenu du titre de la vidéo? Non. En fait, il est long quand on l'explique. Ah, peut-être. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Bah, forcément. T'es prête, Calice? Non. Bon, je sais que c'est sans doute pas ça, mais c'est pas grave. Moi, c'est un long titre. Non, mais c'est pas le titre. C'est long à expliquer. Rien. 3, 2, 1. La quand visite on a de comment mis on plein fait de sirop d'érable dans le salon. Quand on a mis plein de boules dans le salon, et je m'avais mis le carton et là. Ah oui, exact. Et c'est moi j'ai mis le Twin Telepathy Mic Check Challenge, que c'est long, c'était rigolo. D'ailleurs, vous avez fait toutes les mêmes réponses chacune. Bravo.
Oui, effectivement, quand on avait fait plein de boules multicolores dans le salon et que tu te jetais dessus pour rouler, c'est vrai que c'était très drôle. Ah oui, 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 j'aurais dû y penser. Au revoir. Personne marque de point. Allez, question. On peut redire au revoir. Numéro suivante. 8. 4-3 pour moi. Elle t'a pas marqué de point là. Mon jeu de société préféré. Ton jeu de société préféré, c'est facile. Ah, bah, ça. C'est facile ça. Non, c'est trop facile ça. 3, 2, 1. Ah. Dixit. Au début, j'avais pensé au Monopoly LOL. Dixit, c'est excellent. Je vous conseille, si vous aimez imaginer des choses, raconter des histoires et en même temps essayer de convaincre l'autre que c'est vous qui avez la meilleure histoire. Enfin, voilà, c'est un mélange de plein de choses. D'imagination et aussi de conviction. Ok, allez, question numéro 9. T'as marqué les points ? 5 points pour moi, 4 points pour Calice. Question numéro 9. Quelle est ma peluche préférée ? Quelle est ta peluche préférée ? On en a que 230. C'est pas évident parce que toutes les semaines ça change en plus. Attends. Sa peluche préférée, t'es prête Calice ? 3, 2, 1. C'est Kirby ! Tsum, tsum, licorne. Ah oui, le blanc. Oh, j'ai mis l'aminou, le petit lama. Petit laminou qui crache du feu. On dirait un dragon lama. En fait. Regarde, on dirait Kirby. Un petit peu. Ouais. Bravo Calice. Un point de... Il y a égalité là, un point de plus pour Calice. Ah, il y a 5 partout et là on passe à la question numéro 10, Athéna. Quel suspense. Mon endroit préféré, tout court. Ton endroit préféré, tout court ? Ouais. Ton endroit préféré ? Oui, à part le matin, donc. Ah oui, vous allez remarquer le monde. Ah, un endroit dans la maison ? Oui. Il fallait le dire, parce que moi, je pensais à un parc aquatique ou je sais pas quoi. Hein. On n'a pas les pieds sur la table, Athéna. Tiens, tu vas avoir des chaussettes violettes, toi. Bah. Il est temps que je marque un point, ça fait longtemps. 3, 2, 1... Elle a écrit là, genre son endroit préféré c'est ici, assis à la table. Et moi j'ai écrit dans la balançoire qui est derrière. Ben non, elle me donne envie de vomir moi aussi. C'est nouveau ça. Devant la prise dans la chambre. Devant la prise de courant de Calice. Parce qu'il y a tout le temps la tablette dessus sur la prise. D'accord, donc si j'enlève. Oui, c'est vrai qu'elle est assise à côté de la prise de courant avec la tablette branchée sur la prise, parce que sinon la tablette elle se décharge trop vite. N'importe quoi. Bon, personne ne marque de point. Question numéro 11. C'est bon. Et 5 dernières questions. Attention, question numéro 11, Athéna. C'est mon plat préféré. Ton plat. Ah, il n'y a aucun doute là. Le plat préféré. Elle aime plein de choses. Hein. Mm-hmm. 3, 2, 1. C'est à l'envers. Et lasagne de chat. Des nuggets de poulet, pas de chat. Non. Donc des lasagnes. Oui, des lasagnes ou les nuggets. Est-ce que quelqu'un a une bonne réponse? Lasagnes. Mais t'aimes bien les nuggets aussi? Oui. Mais elle aime tellement de choses. C'est vrai. Bon, il est temps que je me ressaisisse. Alors, Athéna, la question numéro 12. C'est moi qui vais gagner, Chris. Bah regarde, tout prend d'avance. Mon dessert préféré. Ton dessert préféré. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va avoir la bonne réponse. 3. Attends, j'ai oublié le dessert. 2. Oui, c'est ça. La bonne réponse était les crêpes sucrées. Les crêpes sucrées. Mais tu changes en fait ça. C'était les crêpes sucrées, ouais, t'aimes bien en ce moment, mais après, ça sera les glaces. Oh, attends, non. Après, ça sera les cheese. Donc, 6. Pour Calice. Donc il y a 6 points pour moi, 5 points pour Calice. Passons maintenant à l'antépénultième question, c'est-à-dire à la question numéro 13. Question numéro 13, Athéna. Mon style de vidéo que je préfère. Quoi ? Mon style de préférant que je préfère. Ton style de vidéo que tu préfères. C'est genre parc aquatique ou juste le blog, prendre 24 heures. Mais sur celui de Bubble Tea ? Ah d'accord. Oui, mais c'est quel style de vidéo ? Enfin, c'est non, je sais, moi, je parc sais. Parc aquatique, non, je sais, moi. 24 heures et tout. Je sais. Je n'hésite pas une seule seconde, parce que je...
parce que j'ai fait tomber mon feutre. Je suis sûr d'avoir raison. Et si j'ai pas raison, je mange une cuillère de mouton. Attention. Ah oui. 3. Ouais, mais c'est bon. Je te connais. Hein. 3, 2, 1. Les pranks. Et toi? La croisière Disney? Europark. Europa Park. On n'y est même pas allé. On n'est jamais allé à Europa Park. On n'est jamais allé à Europa Park. On n'est jamais allé à Europa Park. Elle confond avec autre chose. Les parcs d'attractions en général. Voilà. Efteling. Ah, Efteling ou Port Aventura ou Alton Towers ou Disneyland. Ah oui, je me disais Europa Park, non mais. Efteling, t'as aimé? Ma première inversion. Eh oui, la première version, c'était Efteling, c'était le Python. On a attendu, du coup, je vais manger une cuillère de moutarde. Quoi. Une cuillère de moutarde. Ah, parce que Athéna adore les pranks, c'est vrai. Et la moutarde. Une cuillère de moutarde. Et on se fera un autre épisode de Prank Story. C'est en préparation, mais les pranks, il faut, ça prend le temps. Il faut les inventer. Hein. Oui, en plus, il faut piéger, surtout. Des fois, on s'y attend. Ça va, ça? Non, non. Plus. Oui, oui, c'est bon. Tout ça. Oui. Ça pique. Je croyais que tu aimais bien les trucs qui piquent. J'adore les trucs qui piquent, mais elle est quand même, elle est marquée forte. Hein. Allez, question numéro 19. L'avant-dernière question. Ben non, c'est pas 19, puisque j'en ai fait 15. Putain. La 14. Un petit tatouage. Non. Non mais c'est la moutarde, ça me fait dire n'importe quoi. Je faut se concentrer. Un petit tatouage. Allez, 14e. Un petit tatouage. Question. Oh bah oui, mais j'arrête pas d'avoir les petits tatouages. Question numéro 14, Athéna. Mon jeu de société préféré sur la tablette. Un jeu de société sur la tablette. Mais non, mais c'est parce que en fait, c'est que j'ai supprimé, donc en fait, j'ai supprimé. D'accord. La phrase. Donc, c'est. Donc, c'est l'application, mon application préférée sur la tablette. D'accord, oui, parce qu'on n'a pas vu les questions avant, donc voilà. Et tu connais. On n'a pas checké, c'est parce que ça serait pas drôle. Donc c'est Athéna qui a fait cette question toute seule. Pas de calice. En plus, il est mort. Attention, l'application préférée d'Athéna sur la tablette est... Quoi? C'est ça? Homme plus go, non, ça veut rien dire. Moi j'ai mis Minecraft, c'est plus clair. Ah, mais il faut que ça soit sur, mais faut que ça soit sur la tablette. Ouais, bah ça existe Minecraft sur tablette. Non mais faut qu'on télécharge. Ouais, mais tu l'as. Bah non, c'est payant. Mais vous jouez à un truc avec des bonhommes carrés. Des bonhommes carrés. Ah oui, vous jouez à un truc avec des bonhommes carrés. C'est quoi? Bah non, mais c'est bon, tu peux dire la réponse. C'est le but du jeu. Hein. Comment ça s'appelle? Blockman Go. Quoi? Blockman Go. Blockman Go. Ah, c'est ça? C'est l'anglais. Je crois que c'était Minecraft en fait. D'accord. Bon, c'est le même joueur quand même. Ouais. Toi, tu pensais à ça? À qui tu accordes le point? Bah oui, regarde, il y a un bloc, c'est un homme en anglais, c'est un man, et puis il y a un go. Et tu connaissais pas le nom? Si. J'ai fait une charade. Regarde. Ah! Block. Homme, ça veut dire man en anglais. Ouais, donc on peut dire qu'elle connaissait effectivement, elle a pas fait n'importe quoi. Tu lui accordes le point? Donc, là, du coup, j'ai perdu quoi qu'il arrive parce qu'il y a plus qu'une question, il y a deux points d'écart. La réponse! À mon jeu préféré. Ton jeu préféré, mais sur quoi? Mon jeu préféré en jouet. Ah! Ah, donc ton jouet préféré. Quoi. Donc ça peut être. Je sais, ne dis rien. Aïe. Je sais. Je vais peut-être marquer un point là quand même, allez, pour sauver l'honneur. Parce que forcément, Athéna, une petite fille de 7 ans comme ça, forcément, son jouet préféré, ça ne peut être que Nerf. Ben oui. Ben ouais, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Sauf Calice, qui va pas marquer de points sur ce coup-là. Attention, 3, 2, 1. Les nerfs! C'est quoi ça? Bah, c'est
fait LOL, regarde. Ah oui, d'accord, je n'y avais pas les lettres. LOL. Et pour ce coup-là, je suis d'accord avec toi, j'ai écrit LOL également. Athéna, est-ce que c'est ça? T'as écrit quoi sur ta tablette? J'ai dit LOL. Oh, LOL. Oh. LOL. Je pense que t'es pas la seule. LOL. Tu peux donc rajouter un point à chacun. Ce qui fait donc 8 points pour Calice. Bravo Calice. Et 6 points simplement pour moi. Bravo. Bravo Calice. Tu connais mieux ta sœur. Pardon. Mais j'ai aussi plus de force que toi. Bravo. Bravo. Bravo Calice. Ok, on a fait la tunnel. Bravo Calice. Bon bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Qui connaît mieux Athéna? Et attends, je vais te faire deux blagues. Bah c'est Calice, hein. Non, je suis dégoûtée. Je t'aime profond, c'est pas normal. C'est pas grave, la prochaine fois si ça vous intéresse. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, pourquoi pas la prochaine fois faire un qui connaît le mieux son papa entre Calice et Athéna. Ça pourrait être drôle, donc c'est moi qui ferai les petites questions. Et puis vous aussi, vous pourrez jouer. Ça fera une petite FAQ. Parce que si vous nous connaissez bien depuis presque 6 ans, on vous fait plein de gros bisous. Et puis, nous, on va aller s'amuser. Allez, on va aller jouer à un jeu de société. On va aller jouer à Dixit. D'accord. Je vais allez, à très vite sur le Babette. N'oubliez pas d'ici là. Voyez, bien.